tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve devant le Furet du Nord pour l'annonce des 5 finalistes. Voilà. On a hâte de savoir, enfin, moi je sais déjà mais pas elle. Moi j'ai hâte et j'ai très peur, hein. je vais l'avouer, je vais pas demander qui était finaliste, j'ai décidé de le jouer faire quand même et du coup je suis inquiète. Donc du coup, on pourrait même vous dire un petit mot sur nos 5 finalistes. Donc, alors, mère morte. Pour moi aussi. Parce que gros coup de cœur. Coup de cœur ou pas coup de cœur, mais c'est excellente, très bonne qualité. Excellente lecture, très très belle qualité littéraire. Et puis voilà, Aurélie Bellechtein. Et l'engagement et tout ça. Ouais, aussi. Aurélie Bellechtein. Oh, j'ai mal au ventre. Aurélie Bellechtein mérite sa place. Ouais. Ensuite, Féline. Évidemment, moi, je ne pouvais pas ne pas mettre Féline, parce que pour l'engagement, encore une fois, clairement, il se détache des autres pour le moment. Tout à fait, et j'ai aussi voté pour, et d'ailleurs, Stéphane Savant aussi a déjà eu sa place dans les finalistes, comme Aurélie Bellechtein. Voilà. Donc peut-être que ce sera la bonne pour cette fois. On verra bien. Le troisième, l'âme vive, bah oui, voilà. L'âme vive de Ariel Holz, qui est un des finalistes et un des gagnants des anciens plibes. Excellentissime, l'âme vive que moi j'ai beaucoup aimé, ouais. Que j'ai trouvé très 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 différent de ce que Ariel Holz nous a déjà proposé. Ouais. Et donc du coup voilà, je trouve que ça démontre une grande qualité de la part de l'auteur. Et puis ne serait-ce que l'histoire, les personnages, on vous en a déjà parlé de ces romans-là, donc voilà. Et là s'arrête nos votes communs. Ensuite, oui. J'ai voté pour Les Brumes de Cendre Lune, qui pour moi a pu une excellente lecture, pas autant que Féline ou Mère Morte, mais une lecture qui m'a beaucoup surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, je m'attendais pas à être autant dans l'histoire. Donc, je trouvais qu'il méritait sa place comparé à d'autres romans. Pas forcément comparé à Féline et Mère Morte, évidemment, mais. Pour moi ça a été très 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 dur parce que j'ai pas été archi convaincue par la sélection de cette année, hein, en toute honnêteté. Du coup trouver 5 finalistes qui me plaisaient vraiment ça a été très dur et donc du coup je suis partie sur 2 valeurs sûres. La première étant Les Noces de la Renarde de Florian Soulas, qui a aussi fait partie des finalistes. Parce que j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers. Voilà. Et ensuite, mon cinquième vote qui fut le plus difficile parce que là, j'avais pas de romans qui se démarquaient vraiment des autres. J'avais plus quelques petits romans qui étaient des bonnes lectures, mais rien, pas de quoi mettre dans les finalistes. Donc au final, j'ai choisi L'Arrache-Mot parce que la plume est vraiment très très jolie, l'univers très plein d'imagination. Même si original que ça, non ? Pas si original, mais elle a inventé quand même des choses, même si l'histoire est la même que. Dans tous les cas, vous aurez une présentation où je vous parlais de L'Arrache-Mot et vous verrez que j'ai beaucoup hésité pour le mettre là quand même. Et du coup, moi, mon cinquième, c'est ma dernière valeur sûre, c'est Gabriel Katz. C'est un gros acteur de la fantasy francophone. Vas-y. Ça fait mal. C'est un gros. On espère qu'on est dans le cap tout du long, hein, mais on ne garantit rien. C'est un gros acteur de la fantasy francophone. J'ai adoré ses romans, Le Puits des Mémoires ou alors Aeternia, qui est juste absolument exceptionnel. Je n'attends qu'une chose, c'est de retourner dans cet univers-là. Mais en attendant, il nous a servi un très beau début de trilogie avec Le Serment de l'Orage. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il a plus sa place que d'autres lectures pour lesquelles j'ai été moyennement convaincue, même si sa renommée n'est pas à faire. Donc, bon, on verra. Voilà, et donc on j'ai va voir. Pas. C'est parti, on y va. Hop.
vous avoir expliqué mes votes, il est temps que je vous explique si je suis contente ou pas des résultats. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir lire énormément de titres des 20 sélectionnés, ce qui fait que niveau probabilité, il était fort probable que au moins 3, voire même 4 des 5 titres finaliste soit parmi des romans que j'ai déjà lus. Et donc du coup j'ai la chance de retrouver 3 des titres que je voulais absolument voir, enfin disons il y en a 2 que je voulais absolument voir dans les 5 finalistes et un pour lequel je comptais voter, donc je ne suis pas mécontente qu'il soit dedans. Donc ces 3 là, il s'agit des Brumes de Cendrelune. Celui-là ce fut une très bonne lecture, une très bonne surprise, donc je ne suis pas mécontente qu'il soit présente, même si clairement pour moi il n'a pas de quoi être finaliste, enfin être le gagnant je veux dire. Et ensuite, évidemment, c'est Mère Morte et Féline, qui sont 2 lectures hyper engagées, et clairement, s'ils n'avaient pas été là, j'aurais fait la gueule. Ce qui nous laisse plus que 2 romans, donc La Cité des Chimères et Je suis fille de rage. Alors pour La Cité des Chimères, je ne suis pas trop mécontente qu'il soit là, parce que en soi, je l'ai lu, c'est juste que je l'ai abandonné, et on a tout à fait le droit d'abandonner, donc bon... Il sera là, j'espère juste qu'il sera pas le gagnant, parce que sinon, ça va pas me plaire du tout. Mais ça me donne pas de lecture obligatoire à faire en plus. Par contre, j'espère que Mélie va adhérer au roman et va lire l'intégralité du roman, parce que sinon, pour vous en parler, ça risque de faire un petit peu maigre. Parce que pour vous en parler, je préférerais qu'au moins une de nous deux l'ait lu en entier. Déjà que moi, vous parlez d'un roman que je n'ai pas fini, ça, j'ai un peu du mal avec ça. Mais voilà, on est obligé. Et ça me dérange pas trop qu'il soit présent parce que j'ai vu de très bons retours sur ce roman. Donc il y a vraiment des lecteurs qui ont adoré. Il y en a même, ça a été des coups de cœur pour eux. Donc bon, voilà, je me dis, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas adhéré. Et enfin, pour le dernier, donc Je suis fille de rage. Là, pour le coup, je suis un petit peu déçue parce que c'est un roman qui me fait pas du tout envie. Mais pareil, il a plu à de nombreux lecteur, mais voilà, c'est juste moi qui ai pas du tout envie d'entendre parler de guerre de sécession ou ce genre de choses. En plus, apparemment, il y a énormément de personnages qui fait que c'est très dur au début d'arriver à situer, d'arriver à se rappeler tous les noms, etc. Et clairement, pour moi, je pense pas que ce soit mon genre de lecture. Mais globalement, on peut dire que je suis quand même relativement satisfaite de la sélection, même si j'ai même si je suis un petit peu triste pour Lamvi. Je pense que certaines personnes n'ont pas voté pour lui parce qu'il a déjà gagné le Plip 2018, donc il voulait peut-être laisser la place à d'autres romans, ce qui en soi est tout à fait logique. Mais voilà, c'est quand même un roman d'une très bonne qualité. Je sais pas si Je suis fille de rage est d'une aussi bonne qualité, peut-être. Je vais pas critiquer alors que je l'ai pas lu. Et La Cité des Chimères, bah là par contre c'est vraiment une affaire de goût. Donc voilà, globalement je ne suis pas trop insatisfaite. De toute façon c'est le principe, il y a 20 titres, on a tous des goûts plus ou moins différents. Il est normal que tous les titres ne me plaisent pas et qu'il y en ait déjà 3 sur 5 qui me plaisent énormément. C'est déjà beaucoup en fait. J'espère juste que le vainqueur fera partie de ces 3 là plutôt que des 2 derniers. Hello, je suis moi aussi revenue de Lille. Donc vous avez pu voir des petites images avant, puisqu'avec Mélo on a fait un bon petit tour pour digérer l'annonce des finalistes. Faut dire que pour ma part je suis très très mitigée sur ces 5 finalistes, mais déjà un petit mot sur l'événement parce que très franchement c'était super cool. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de mobilisation de la part des jurés. Après je comprends, faut venir jusque dans le nord, mais je suis pour ma part très très contente de l'avoir vécu en direct live avec les douces voix de Céline et Palatras et puis bon bah toute la communauté qui s'était réunie. Puis ça m'a permis de découvrir la librairie Le Furet du Nord, qui est très réputée et on comprend pourquoi, c'est juste absolument immense. Alors pour ma part j'aime beaucoup, mais j'ai quand même une préférence pour ma librairie à Nancy, le hall du livre, qui n'est pas comparable par sa taille et par les produits proposés, mais que je trouve génial, voilà. En revanche, gros point fort pour Le Furet du Nord, voilà, c'est le rayon VO anglais dans la partie littérature jeunesse, jeune adulte. J'ai pas assez poussé ma recherche dans les rayons pour aller chercher ce qu'ils avaient en VO adulte plus et du coup en fantasy. J'aurais dû en fait. Maintenant, a posteriori, je me dis oh, c'est dommage. Mais en tout cas, très très beau rayon niveau graphique, niveau jeunesse. Bref, c'était top. Du coup, j'ai acheté 2 BD là-bas. Voilà, je me suis dit que je ne pouvais pas repartir sans avoir acheté. Venons-en aux faits, venons-en à ce qui nous intéresse, la sélection du Plip 2020. Franchement, bon, Féline et Mère Morte, sans surprise, je suis très très heureuse de les retrouver dans cette sélection.
Il faut dire que bah, déjà je les ai lus tous les deux et ensuite j'avais voté pour eux. Ensuite, troisième sélectionné que j'ai lu, il s'agit des Brumes de Cendrelune. Là je suis déjà un peu plus mitigée, moi j'avais pas voté pour ce roman là parce que je pense qu'il a pas les qualités nécessaires en fait pour être finaliste. En fait, quand vraiment je compare la qualité et le, comment dire, le niveau vraiment de Mère Morte et Féline, c'est autre chose. Après, c'est mon problème, j'ai beaucoup de mal à mettre sur un même niveau des choses qui pour moi ne peuvent pas être comparées, à savoir que Féline et Mère Morte sont deux romans, alors surtout Féline. Féline est un roman très 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 engagé, Mère Morte il y a un certain niveau d'engagement aussi, même si c'est un peu plus, comment dire, pas camouflé mais un peu plus intégré vraiment dans l'histoire. Et après on se retrouve avec les Brumes de Cendrelune qui là pour le coup fait vraiment partie d'une littérature de plaisir, de loisir. C'est pour ça que pour moi c'est difficilement comparable. Mais après je prends aussi en compte tout ce qui est plume de l'auteur, caractéristiques de l'histoire, univers, personnage. Et franchement ouais non, pour moi il est bon, c'est une bonne histoire mais vous avez déjà vu notre comparaison. Et vous savez que même si j'ai bien aimé je reste mitigé. Mais au moins, ça fait 3 des 5 finalistes qui sont lus et chroniqués, donc c'est plutôt pas mal. La Cité des Chimères, j'ai un peu peur en fait. J'ai un peu peur parce que j'ai l'avis de Mélo. C'est vrai que pour le reste, je me suis pas trop renseignée parce que de base, le résumé ne me plaisait pas trop. Pour moi, c'était pas le truc incontournable, celui que je voulais lire ou quoi. Donc du coup, voilà, j'ai un peu laissé passer celui-là. Mélo l'a lu et l'a abandonné et du coup bah pour tout vous dire moi forcément ça me met pas en confiance. Mais du coup c'est ça qui est bien avec ce prix, c'est qu'on on est obligé de lire des romans vers lesquels on se serait pas tourné. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc La Cité des Chimères, je pars avec un a priori malheureusement assez négatif, mais comme l'a dit Mélo, je vais faire de mon mieux pour continuer la lecture et la terminer pour au moins qu'on puisse vous en parler au mieux. Et ensuite, Je suis fille de rage, et bah honnêtement, je suis plutôt contente de le retrouver là. Alors c'est au détriment des livres que moi forcément je voulais voir, à savoir L'âme vive, qui pour moi méritait sa place, et j'avais également voté pour Les Noces de la Renarde, que j'ai beaucoup beaucoup aimé, et Gabriel Katz, parce que Gabriel Katz quoi. Je pense que Gabriel Katz mérite largement un prix récompensant l'imaginaire francophone, mais bon voilà, ça c'est encore autre chose. On parle de La Faucheuse, on parle de la guerre de sécession, de Lincoln, enfin il me semble qu'on parle de Lincoln, donc forcément et ben ça m'intéresse. C'est un sujet sur lequel je me suis assez peu renseignée finalement, mais qui me titille. Et puis tout ce qui a trait à La Faucheuse, de toute façon, moi je me fais toujours un plaisir de le découvrir. Ce qui me fait peur, c'est sa taille. Parce que là, très clairement, on part sur un gros pavé. Après, Les Seigneurs de Bohène était également un très gros roman et j'avais absolument adoré, alors que de la même manière, j'avais eu un peu peur. D'ailleurs à ce sujet il faut que je lise Les Révoltés de Bohème. Mais voilà, donc pour mon avis sur les finalistes, je pense que je peux m'arrêter là. Donc 2 pour lesquels je suis archi contente, 1 qui ne sera clairement pas mon finaliste, et 2 que je lirai. 1 qui m'inquiète parce que l'avis de Mélo, et 1 qui m'inquiète par sa densité. Voilà, je pense que c'est un bon résumé. En attendant, dites-nous tout, vous, dans les commentaires, est-ce que vous êtes content ou pas de cette sélection? Est-ce que vous avez déjà lu La Cité des Chimères ou Je suis fille de rage? Donnez-nous vos avis dans les commentaires, dites-nous, rassurez-nous, dites-nous qu'ils sont bien, de façon à ce qu'on les lise rapidement. Bien sûr, on reviendra vers vous, j'imagine, avec des comparaisons sur ces 2 derniers finalistes. Et puis, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures. Avant notre prochaine vidéo.